Allô, fusée lunaire, appelle la Terre. Fusée lunaire, appelle la Terre. Allô, allô, ici la Terre. Votre vitesse est maintenant de 11 km secondes. Vous venez de quitter le champ d'attraction terrestre. Toutes mes félicitations, professeur. Tout s'est exactement passé comme vous l'aviez prévu. Mais qu'avez-vous, professeur? Vous y êtes tout pâle. Oh, c'est l'émotion, Wolf. Imaginez un seul instant que nous nous soyons trompés dans nos prévisions. N'y pensez pas, nous ne serions plus là pour en parler. Oh, mon pauvre ami, si ce n'était que ça, encore ça irait, mais c'est beaucoup plus grave. Nous serions obligés de refaire tous nos calculs. Mille sabords. Je n'aurais jamais dû accepter de venir. Que voulez-vous que je fasse sur la Lune? Franchement, il faut être... Capitaine, vous n'allez pas tourner en rond pendant tout le voyage. Je suis un marin, moi. Et cette satanée fusée commence à me peser sur les écoutilles. Vous rendez-vous compte, capitaine, que nous allons sur la Lune? C'est un rêve merveilleux. Un rêve? Passer sa journée entre quatre murs à respirer de l'air en conserve? Non, désolé. Tonnerre de Brest, je revends ma place au premier venu. Vous êtes tous là? Mais que s'est-il passé? Un tremblement de terre ou quoi? Appelle fusée lunaire. Que se passe-t-il? Nous avons entendu des voix étrangères. Ici, fusée lunaire. Information sensationnelle. Les Dupont et Dupont sont dans la fusée. Ils ont réussi à se faire enfermer à bord. Quoi? Oh non, c'est pas vrai! Mais qu'est-ce que vous faites ici, mille millions de mille sabords? Ce que nous faisons ici, eh bien, nous avions décidé de surveiller la fusée avant son départ. Et au fait, en parlant de départ, quelle heure est-il? Il est 2h du matin. Ah, très bien, nous avons encore tout le temps. Le départ est toujours fixé à 1h34? Mais malheureux, il y a une demi-heure que nous avons quitté la Terre. Nous sommes en route vers la Lune. Elle est bien bonne, celle-là, professeur. Je dirais même plus. Elle est très bonne. Oh, c'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Vous vouliez nous faire peur. Vous nous aviez bien dit que le départ était fixé à 1h34, pas vrai? À 1h34 du matin, pas à 13h34. 1h34 du matin? Bon, seulement cela pose un grave problème. Nos réserves d'oxygène étaient prévues pour 4 personnes. Or, nous voilà 6 à bord sans compter Milou. Vous entendez, espèce de brontosaure? Tout ça parce qu'à votre âge, vous ne savez pas faire la différence entre 1h34 et 13h34. Malheur de malheur de malheur. Et cessez donc de pleurnicher, ça dégage de l'acide carbonique, tonnerre de Brest. Sur ce, je vous quitte. J'ai à travailler sérieusement, moi. Et ne vous avisez pas de venir pomper mon oxygène. Ah, ce bon vieux Milou. Toi, au moins, tu ne me déranges pas, hein? C'est vrai, tout de même, il faut être seul pour étudier la science. Ça demande beaucoup de concentration. Ah, et maintenant, allons-y, entamons le premier chapitre. Mais je ne rêve pas! Mais oui, ma parole! Oh, voyez-vous ça? C'est Adonis! Et qui est-ce, Adonis? Un de vos amis qui habite la région? Non, l'astéroïde Adonis est un fragment de planète. C'est une grosse masse rocheuse de 700 mètres de diamètre environ. Tenez, venez à ma place, vous verrez. Admirez-la dans toute sa splendeur. Et de grâce, ne touchez à rien! Une erreur pourrait nous projeter contre l'astéroïde. Oh, c'est inouï! Alors, ce gros caillou, c'est Adonis? Dupont, viens voir ça! Ah, attention, votre canne! À la Lune. Hein? Qu'est-ce que c'est? Tonnerre de Brest, en voilà des manières! Alors, pas de blague, dans mon verre est plus vite que ça! Allez! Mais ça, bon, qu'est-ce que je fabrique ici? Mais qu'est-ce qui se passe? En baissant cette manette, vous avez coupé le moteur atomique et supprimé du coup la pesanteur artificielle créée par l'accélération qui nous permettait de nous mouvoir dans cette cabine de même façon que sur la Terre. Voilà pourquoi nous flottons. De grâce, professeur, pas de cours de physique maintenant. Il faut remettre le moteur en marche. Je ne vous promets rien, mais je vais essayer d'arriver aux commandes. Encore un petit effort et j'y suis. Je vais pouvoir... Si je te touche, Milou, c'est toi qui y es, je t'aurais prévenu. Je l'ai. Attention, tenez-vous bien. Nous nous tenons. Regarde, Milou. Ça, c'est du sport. C'est parti. Oh.
mille milliards de mille sabords. Oh, non mais c'est pas bientôt fini. Bizarre, nous tenions pourtant bien. Allô, allô, ici la Terre. Que s'est-il passé? Allô, allô, ici Fusée Lunaire. C'est un des deux policiers qui, par mégarde, a abaissé la manette du moteur. Mais celui-ci vient d'être remis en marche. Terminé. Avec ces deux hurluberlus à bord, ils ne sont pas au bout de leur peine. Si le moteur est encore coupé avec ses souliers à semelles magnétiques, nous ne risquerons plus de voguer comme des ballonnets. Et comment expliquez-vous qu'il reste encore une paire? Il y avait juste le nombre. Quelqu'un n'aurait-il pas mis ses souliers? Ce doit être le capitaine. Il est resté en bas. Je vais les lui porter. Eh bien, mon brave Milou, tu n'as pas été trop secoué? Et vous, capitaine? Mais où peut-il être? Capitaine? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, sapristi! Professeur, venez vite! Ah, oui. Ah, il faudra que je perfectionne ces souliers magnétiques. Oubliez ces chaussures, professeur. Le capitaine est parti. Ça, par exemple, cette sonnerie, c'est le signal d'ouverture de la porte extérieure. Voilà l'explication. Lisez cette lettre que je viens de trouver sur la table. J'en ai plein le dos de votre maudite fusée. Je rentre à Moulinsart, signé Hanok. Oh, ça fait ripoper. Terre à fusée lunaire. Terre à fusée lunaire. Mais répondez, que se passe-t-il? C'est encore ces deux policiers. Allons la Terre. Le capitaine vient de se jeter hors de la fusée. Nada va sortir pour lui porter secours. Mais ils vont me rendre fou. Ah. Je le vois, professeur. Coucou, c'est moi. Je vais essayer de me rapprocher de lui. Terminé. Soyez prudent, Tintin. Ne me laissez pas trop s'éloigner. Il risquerait d'être attiré par la police. Capitaine, vous m'entendez? Bien sûr que je vous entends. Quelle question? Je ne suis pas encore fou que je sache. Écoutez-moi bien, capitaine. Si vous voulez rester en vie, je vous conseille d'attraper ce grappin et de remonter à bord. Ah, remonter à bord de votre espèce de cigare volant? Jamais de la vie, n'y comptez pas. Le pauvre, il a dû tomber sur la tête, pourvu que je ne le rate pas. Je rentre. Oh non! Allô, Tintin, ici le professeur Tournesol. De grâce, essayez de faire vite. Adonis va nous entraîner dans son orbite. Capitaine, soyez raisonnable. Revenez avant qu'il ne soit trop tard. Que je revienne? Oh non, jamais de la vie. Regardez, je ne rêve pas. C'est le château de Moulinsart. Oh, Nestor, nous sommes de retour. Oh non, mon Dieu, il est attiré par la masse d'Adonis. Capitaine! Hey, que se passe-t-il? Hey, je suis attiré à mon tour. Professeur, vite, sortez les échelons escamotables. Ça y est, enfin, tout du moins pour l'instant. L'attraction devient de plus en plus forte. Je ne tiendrai pas longtemps. Remettez le moteur en marche ou nous allons nous écraser contre l'astéroïde. Lâchez-moi, mille sabords. Sauvez-vous, professeur. Sauvez la fusée. Remettez le moteur en marche. Pourvu que la corde ne cède pas. Mais Tintin, je... Maintenant, allez-y. Accrochez-vous, mon garçon. Magnifique! J'arrête le moteur!
Taisez-vous. Maintenant, ça suffit. Vos excentricités ont failli nous coûter la vie à tous. Vous compris. Vous allez rentrer à bord et vous conduire convenablement. Je suis un misérable. Je vous demande pardon, Tata. Oh, ça va. N'en parlons plus. Pourrez-vous me pardonner un jour? Bien sûr, capitaine. Mais la prochaine fois, pour l'amour du ciel, réfléchissez avant d'agir. Vous auriez pu tous nous tuer. Aucune excuse. Je ne suis qu'un misérable. Qu'y a-t-il encore? Venez vite! Il y a d'énormes chenilles jaunes! Quoi? Oh, sapristi! Dupont et Dupont! Hélas! C'est bien ce que je craignais, une rechute! Ah oui, les pilules! Ce sont les mêmes symptômes qu'au... qu'au pays de l'or noir. Ils ont déjà pris leur remède. Encore faut-il bien sûr lui laisser le temps d'agir. Mais je ne peux malheureusement pas vous garantir le résultat. Dites-moi, messieurs, souffrez-vous beaucoup? Non, pas le moins du monde. Heureusement, non. Milou! Mais fais quelque chose! Milou, veux-tu cesser? Attends, tu vas voir. Et quand on me demandera plus tard quelles étaient vos fonctions à bord de la fusée, je répondrai, moi, eh bien, monsieur, j'étais garçon coiffeur. Mille milliards de mille savants, ce n'est pas d'une paire de ciseaux dont j'ai besoin, c'est un sécateur ou une tondeuse à gâteaux. Mon pauvre vieux, si tu te voyais. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Si vous croyez que vous avez l'air plus intelligent que votre collègue, vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Oh, et voilà, c'est fini. Oh, regardez. Terre à fusée lunaire, tenez-vous prêt pour la manœuvre de retournement. Paré à couper le propulseur principal? Paré, le compte à rebours peut commencer. Arrière en plâtre, scolopendre, mérinos, fox à poil dur. Capitaine, nous allons couper le moteur. Chaussez donc vos souliers à semelle magnétique. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il a raison, si vous ne voulez pas voltiger comme un papillon, vous devez enfiler ces bottes. Hein? Encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, tonnerre de braise! Allons, ici la Terre. Mettez en marche le réacteur latéral. Remettez le propulseur principal en marche. Dans 3 secondes. 2. 1, 0. Ah oh, mais en voilà des manières. Encore un degré ouest, Wolf. Voilà, parfait. La fusée se dirige maintenant exactement vers le centre du Cirque Park. Allô, fusée lunaire à terre, ici Tintin. Nous en sommes au dernier préparatif. Le professeur règle en ce moment le pilotage automatique. Ah, non, mais dites donc, que faites-vous? Nous obéissons aux ordres seulement, mon collègue et moi-même détestons dormir tout habillés. Ah, dépêchez-vous, messieurs, la fusée va l'unir au milieu du Cirque Park dans quelques minutes. Oh, bah ça, c'est épatant. Il y a longtemps que nous n'avons plus été au cirque. Allô, ici, fusée lunaire, c'est Tintin qui vous parle. Les effets du ralentissement commencent à se faire sentir. Tenez bon. Nous sommes écrasés sur nos couchettes. Par une force irrésistible. Plus possible de remuer. J'ai l'impression que mon crâne va éclater. Le professeur et le capitaine ont perdu connaissance. La fusée vibre de toutes ses tôles. Pourvu qu'elle ne... Terre à fusée lunaire. Allô, fusée lunaire, répondez. Allô, Terre appelle fusée lunaire. Fusée lunaire, répondez. Allô. Ici, la fusée lunaire. C'est le professeur Tournesol qui vous parle. Tout va bien à bord. Ils sont vivants. Nous
sommes tous sains et saufs. Tintin se prépare. Il sera le premier à sortir pour fouler le sol lunaire. Parfait. Mais d'où proviennent ces ronflements bizarres? Des ronflements, vous dites? Eh? Ah oui, ce sont les deux policiers. Ils ne sont pas encore réveillés. Allô, ici Tintin. Je viens de revêtir mon scaphandre et je suis actuellement dans le sas. Prêt, mon brave Milou? Nous sommes prêts, capitaine. C'est parti, Moussaillon. Dépressurisation du sas. Attention, bouteille, ouverture de la porte. L'instant est solennel. La porte extérieure tourne lentement sur ses gonds. Oh, quel spectacle hallucinant! C'est... comment vous le décrire? C'est un paysage de cauchemar, un paysage de mort, effrayant de désolation. Pas un arbre, pas une fleur, pas un brin d'herbe. Pas un oiseau, pas un bruit, pas un nuage. Dans le ciel, d'un noir d'encre, il y a des milliers d'étoiles, immobiles et glacées, sans ce sentiment qui, de la Terre, nous les fait paraître si vivantes. Je descends à présent les échelons de la fusée. Plus que 3, 2, 1, 0. Ça y est, j'y suis. Et voici maintenant Milou qui vient me rejoindre. Et voilà, Milou est le premier chien à marcher sur la Lune. Ça y est, j'ai fait quelques pas. Vous avez réussi, professeur, on a marché sur la Lune. Eh bien, Milou, tu dois être content de pouvoir te dégourdir les pattes après un si long voyage. Allez, vas-y, profites-en. Sabords. Je ne peux pas y croire. Oh, c'est prodigieux. Je suis sur la Lune. Oh. Oh, tonnerre de Brest. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, capitaine. Sur la Lune, la pesanteur est 6 fois moindre que sur la Terre. À propos de la Terre, pourvu que nous puissions un jour y retourner. Hein? C'est absolument incroyable. Vous vous rendez compte? Nous sommes sur la Lune. Oh, regarde-moi ça, Dupont! Quel paysage fantastique! Et dire que nous foulons ce sol de la Lune où jamais la main de l'homme n'a mis le pied! Stop, mon vieux! Une crevasse! Et qu'est-ce que nous faisons maintenant? Mais quelle question! On saute! De grâce, Dupont! Ne commets pas d'imprudence! Ah, ne t'en fais pas! Et hop! Ah, tu as vu ça? C'est inouï! Et sans élan, s'il te plaît! À ton tour maintenant! Et hop là! Allô, sois sérieux. Si les gens nous voyaient. Mais espèce de bachibouzouk, revenez ici plus vite que ça. Vous n'avez d'ailleurs plus beaucoup d'oxygène. Très bien, nous rentrons. Bien envoyé, Dupont, il ne mérite pas que l'on se fatigue. Nous rentrons, puisque vous faites fi de notre collaboration scientifique. Scientifique? Oh, c'est pas vrai. Quelle bande de moulins gonfres. Oh, quel fou. Rira bien, je dirais même plus qu'il rira le dernier. Allô, la Terre, répondez. Ici Fusée Lunaire, me recevez-vous? Allô? Allô, ici Fusée Lunaire. Allô, ici la Terre, nous vous recevrons 5 sur 5, Tintin. À vous. Le char lunaire est prêt pour sa première expédition. Le capitaine Haddock, messieurs Dupont et Dupont et le professeur Tournesol viennent de monter à bord. Durant les 5 derniers jours, nous avons consacré tout notre temps à l'étude des rayons cosmiques et à l'observation des planètes les plus proches. Les résultats vont bien au-delà de nos espérances. Nous avons vraiment appris beaucoup de choses. Wolf et moi-même allons rester à bord. Nous serons en contact radio avec le char lunaire. Terminé. Bien reçu, Fusée Lunaire. Nous restons à l'écoute. Terminé. Char lunaire à Tintin, me recevez-vous? Ici Tintin, professeur. Quelle est votre position? Nous nous dirigeons vers un cirque Ptolémée. Il y a là une chaîne de montagnes qui devrait être riche en minerais de toutes sortes. Souhaitez-nous bonne chance! Bonne chance, professeur. J'ai l'impression, cette fois, l'opération Ulysse est entrée dans sa phase décisive. Il va y avoir du sport. Ici Tintin, je voulais vous rappeler que vos réserves d'oxygène sont limitées. Ne vous aventurez pas trop loin. Soyez tranquille, Tintin. Nous serons de retour dans moins de 2 heures. Alors, bon voyage et à plus tard. Il est l'heure du repas. Je descends à la cale chercher de quoi préparer à déjeuner. Voulez-vous que j'y aille, professeur? Non, ne vous dérangez pas. J'y vais moi-même.
Il semble bien étrange aujourd'hui. Ah, quelle chaleur sous cette cloche à fromage. Je fonds littéralement. Ah, sans ce casque et le laryngophone, ça va déjà beaucoup mieux. Oh, ah, oh. Aïe, oh, le... Oh zut, j'ai oublié de prendre le lait. Cette fois, c'est moi qui vais y aller. Oh, très bien, je vous remercie, c'est gentil de votre part. Vous verrez, la caisse se trouve droit devant vous en entrant. Alors, mon petit, tu ne t'attendais pas à ce que le colonel Jürgen vienne un jour chercher sa revanche jusque sur la Lune? Hé, hey, Wolf, tu peux venir. Je... Voilà, j'arrive. Allons, dépêche-toi. Oh, oh, mais... Mais vous ne l'avez tout de même pas? Non, rassure-toi, je l'ai simplement endormi. Et maintenant, Wolf, en route pour la Terre. Quoi? Sans attendre les autres? Exactement, sans les attendre. Mais non, nous ne pouvons pas faire ça. Les abandonner sur la Lune, c'est les condamner à une mort atroce. Je refuse, je ne me rendrai pas complice d'un pareil forfait. Nous partons, un point, c'est tout. De toute façon, si nous devions ramener les autres, nous n'aurions jamais assez d'oxygène pour arriver à destination. Tu vas donc préparer cette fusée pour le départ et respecter ton contrat, c'est compris? Parfait. Eh bien, maintenant, partons. Allô, Tintin, ici le chat. Qu'est-ce que c'est que tout ce remue-ménage? Allons, professeur. Ici Wolf, je... ce n'est rien, rassurez-vous. Mais que faites-vous? En quoi cet animal pouvait-il vous gêner? Nous ne devons prendre aucun risque. Allô, fusée lunaire, qui tourne seul. Nous sommes en panne, les batteries du moteur sont en plein. Le capitaine est occupé à brancher les petites batteries de secours qui nous permettront de revenir. Alors à tout de suite, terminé. Tu as entendu ça, Wolf? En route tout de suite. Tout de suite, impossible. Hein? Les réacteurs doivent chauffer au moins pendant une demi-heure. Tu n'aurais pas pu y songer plus tôt, imbécile. Hein? Allons vite, qu'est-ce que tu attends? Oh, oh, ma tête. Que m'est-il arrivé? Ah, pourquoi suis-je ligoté? Mais quel est ce bruit? Quelqu'un veut faire décoller la fusée. Wolf! Ah, au secours, Wolf! Dépêche-toi, il faut être là d'une minute à l'autre. Je ne peux pas faire plus vite, dans 3 minutes. Tiens, la porte du sas est fermée, les échelons mobiles sont rentrés. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, Wolf, ça y est? Pas encore. Fusée lunaire, ouvrez la porte et sortez les échelons, s'il vous plaît. Plus que 30 secondes. Alors, fusée lunaire, répondez-nous, ça perd du pompette. Appuie sur le bouton, Wolf. Quel est le concentré de moulin gaufre qui nous a sorti cette manœuvre à la graisse de hérisson? Que s'est-il passé? Je ne comprends pas. Les moteurs s'est brusquement arrêtés. C'est toi qui as saboté le dispositif de départ, hein? Non! Mais qu'est-ce que vous faites? Non! Je vais compter jusqu'à 10. Si à 10 nous ne sommes pas partis, je te lance une balle dans la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, 7, je vous en supplie, non, 8, 9, 10, oh non, oh, Tintin, lui-même, allons, debout tous les deux, et les mains en l'air, on se retrouve, n'est-ce pas, colonel Boris? Vous n'avez pas beaucoup changé depuis le temps où vous conspiriez contre votre maître, le roi de Sildavi. À propos, vous accusiez ce pauvre Wolf d'avoir saboté le dispositif de départ. Eh bien, je suis désolé de vous contredire, mais le coupable, c'est moi. À présent, Wolf, auriez-vous l'obligeance de ligoter le colonel, et solidement, je vous prie. Tintin, Tintin, où êtes-vous? Ici, venez vite. 1000 millions de 1000 savants. Mais d'où il est tombé, cet olubrius de la Lune? Wolf, que s'est-il passé? Je ne comprends pas, c'est un malentendu, n'est-ce pas? Allons, expliquez-vous. Oh. Je suis un misérable. Quand je pense à tout cet oxygène que ce bachibouzouk a consommé, quel gâchis! Oh, Milou! J'ai bien peur qu'il se soit fait mal. Je crois que c'est sa patte. Vous avez raison. Notre brave Milou a la patte cassée. Vous entendez, espèce de sombre brute, vivisectionniste, tensionnaire, anthropophage? Oh, osez s'attaquer à un pauvre animal sans défense. Voyons, le capitaine Haddock va examiner cette patte. Ça fait mal, non, n'est-ce pas? Ouh, 1000 savants!
Et voilà, mon bon Milou, quelques jours de repos et tu seras guéri. Mais à présent, revenons à ces messieurs. Wolf, nous attendons vos explications. Il y a 3 ans, alors que je travaillais sur un projet top secret pour un pays étranger, je me suis laissé emporter par la passion du jeu et je me suis endetté. Rien ne va plus. Inutile de vous dire qu'à ce moment-là, j'avais énormément besoin d'argent. C'est alors que le colonel Jürgen m'a accosté. Il m'a dit qu'il connaissait ma situation et qu'il était prêt à payer mes dettes en échange de quelques renseignements sur les expériences nucléaires auxquelles je participais. J'y étais devenu un espion. Un jour, j'ai voulu redevenir un honnête homme et je me suis enfui en Sierre-David où j'avais appris qu'on construisait une fusée atomique. On m'y a engagé. Lorsque vous êtes arrivé à Sbrodj, j'avais fini par oublier cette histoire. Hélas, j'ai reçu une visite de Jürgen. Il avait retrouvé ma trace. Il m'ordonna de lui fournir tous les renseignements concernant la fusée. Sinon, mon passé serait révélé. La mort dans l'âme, j'ai dû me soumettre. Jürgen m'avait promis que personne ne serait tué. Et vous avez cru ça à longtemps, espèce de faucheton. Oh, Wolf, mais pourquoi n'êtes-vous pas venu me le dire plus tôt, hein? De toute façon, il est trop tard maintenant, professeur. Il ne nous reste plus qu'à fourrer ces 2 lascars à fond de cale. Quoi? Alors que nous risquons de manquer d'oxygène, nous allons nous encombrer de ces 2 pirates? Ils voulaient nous abandonner sur la Lune? Eh bien, c'est le sort qu'ils méritent eux-mêmes. Soyons plus chevaleresques que ces gens-là, capitaine. Allons, vous qui êtes le technicien, faites-les descendre et arrimez-les solidement. Allô, ici Fusée Lunaire. Des événements extrêmement graves viennent de se produire. Un traître agissant pour le compte d'une puissance inconnue s'était embarqué clandestinement sur la fusée. Wolf était son complice. Ils sont passés aux actes d'aujourd'hui et ont essayé de s'emparer de la fusée. Heureusement, nous avons pu les réduire à l'impuissance. Seulement maintenant, un gros problème se pose. Nous sommes 7 et je ne sais pas si nous aurons assez d'oxygène pour arriver sur la Terre en vie. Oh, quel magnifique clair de terre! Dommage que nous devions repartir si vite. Pour ne rien vous cacher, Moussaillon, je ne suis pas mécontent de rentrer au port. Et voilà, nous avons récupéré toutes les réserves d'oxygène, nous pouvons remonter. Au clair de la terre, mon ami Pierrot. Allô, ici la Terre, attention, départ dans 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Zéro. Magnifique, nous sommes partis. Et pour changer, nous tombons dans les pommes. Ah, tonnerre de Brest, où sont donc passés tous les autres? Eh bien, je vois que la Terre continue de tourner sans moi. Oh, voyons, capitaine, nous nous sommes permis de vous laisser dormir ainsi que les Dupont et Dupont pour économiser l'oxygène. Je m'excuse, mais il n'y a pas plus de Dupont et Dupont à l'étage en dessous que de cheveux sur la tête de notre ami. Hein? Mais alors, où sont-ils? Justement, je vous apporte de leurs nouvelles. Jürgen! Comment avez-vous fait pour vous échapper? Vous avez en vos 2 moustachus de brillants collaborateurs. Comment, Wolf? Vous êtes toujours de son côté. Oh, vous me décevez beaucoup. Qu'avez-vous fait des détectives Dupont et Dupont? Ils ont voulu remplacer nos liens par des menottes. Les imbéciles. Je doute fort qu'ils puissent se les enlever. Maintenant, assez causé, messieurs. Vous connaissez la situation. Pas assez d'oxygène pour tout le monde. Il y en a donc ici qui sont de trop. Vous, vous m'avez épargné. Mais moi, je ne vous épargnerai pas. Jürgen, vous m'aviez donné votre parole que vous leur laisseriez la vie sauve. Et tu as été assez naïf pour me croire. Oh non, Jürgen, vous ne feriez jamais cela. Tintin! Amen. Il n'y a plus rien à faire. Je ne voulais pas. C'est lui-même qui... Je sais, Wolf, vous n'avez rien à vous reprocher. Vous reprenez votre place parmi nous, je vous fais confiance. Oh. Quoi, ce pirate du ciel, cet astronaute d'eau douce? Le laisser en liberté pour qu'à la première occasion, il nous... Mais... qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens tout bizarre. Mes poumons, j'ai du mal à respirer. Oui, je comprends. L'oxygène commence à se faire rare. Je vous conseille de vous calmer, capitaine. Soyez tranquille, il ne se passera rien. Je réponds de lui. Et maintenant, il vaudrait mieux nous étendre sur nos couchettes. Oui, comme ça, nous ne gaspillerons plus d'oxygène. Quant au corps de cet homme, nous n'avons guère d'autre solution que de l'abandonner dans l'espace.
Tiens, tiens. Où allez-vous, Wolf? Chut! Plus bas. Je descends à la cale pour je crois qu'il s'y trouve encore une bonbonne d'oxygène. Ah, bon, non, mais si je vous demande ça, c'est parce que le capitaine m'a chargé de me tenir au courant de vos moindres faits et gestes. Terre appelle fusée lunaire. Terre appelle fusée lunaire. Répondez. Quoi, qu'y a-t-il? Ah oui, la radio. Allô? Ici Tintin, je vous écoute. Tintin, la fusée dévie de sa trajectoire. Rectifiez immédiatement sa course. Vite, professeur, vite, au poste de pilotage. La fusée dévie de sa trajectoire. Oh, bon sang! Juste ciel! C'est certainement un des détecteurs qui s'est coincé, pourvu que ça marche. Allô, ici fusée lunaire. Le mécanisme de direction s'était bloqué. Nous avons rectifié notre trajectoire. Tout va bien. Wolf, où est-il mis le sabre? Où est Wolf? Ne vous inquiétez pas, capitaine. Je sais où se trouve l'individu. Il est descendu à la cale chercher... Quoi? Et vous l'avez laissé faire, espèce de moule à gaufre? Vous aviez aussi besoin, vous, de jouer le héros grand cœur. Dieu sait quel coup de jarnac ce misérable est allé nous mijoter. Allons vite à la cale. Peut-être n'est-il pas trop tard. Eh bien, où se cache-t-il, ce gredin? Tonnerre! Là! Qu'est-ce que je vous disais? Ah, le sauvage, il a sa botte et l'alarme. Attendez, il y a un papier. C'est l'écriture de Paul. Lorsque vous trouverez Céline, j'aurai quitté la fusée. Moi parti, j'espère que vous aurez assez d'oxygène pour arriver vivant jusqu'à la Terre. Pardonnez-moi. Wolf, le malheureux, c'est pour éviter d'actionner le signal d'alarme et d'arrêter le réacteur qu'il a coupé les fils. Il a fait le grand plongeon pour nous sauver la vie. Avez-vous retrouvé ce bandit? Quoi? Wolf, un bandit? Si jamais je vous entends encore une seule fois manquer de respect à la mémoire de ce héros, je vous envoie le rejoindre dans l'espace. C'est compris? Fusée lunaire appelle la Terre. L'atmosphère devient irrespirable et la dernière bonbonne a été utilisée. Déjà mes compagnons gisent sans connaissance. Je me demande si nous arriverons vivants. Courage, il vous reste environ une heure avant d'arriver sur Terre. Allô, fusée lunaire, préparez-vous à enclencher le pilotage automatique. Oh. Professeur, revenez à vous. Je n'aurai... jamais la force d'y arriver. Allô, Terre à fusée lunaire, m'entendez-vous? Fusée lunaire, répondez, il n'y a plus une seconde à faire. Si vous n'enclenchez pas le pilotage automatique, vous allez à la catastrophe. Au nom du ciel, Tintin, répondez. Il a dû s'évanouir. Vite, Walter, émettez la tonalité la plus aiguë avec le maximum de puissance. Et ce bruit. Ah oui. Ah, pilotage automatique. Ah, ici, Tintin. Arrêtez ce sifflement. Je suis occupé à régler le pilotage. Oh. Vous souvenez-vous de la manœuvre à effectuer? Oui, je crois. Eh bien, il était temps. Bien joué, Tintin. Le pilotage automatique est enclenché. Oh. Tintin. Nous l'avons perdu. Gardez le contact radio. Je file jusqu'à l'aire d'atterrissage. La fusée est à portée de vue du télescope. Le moteur atomique vient de s'arrêter pour l'entrée dans l'atmosphère. Plus vite, chauffeur, plus vite! Le moteur auxiliaire vient de prendre le relais. L'atterrissage est imminent. Pourvu qu'il soit encore vivant. Ça y est, la voilà. Mais que fait cette voiture? Elle va se faire aplatir comme une crêpe. Hein?
Monsieur Baxter! Monsieur Baxter! L'équipage de la fusée ne répond pas à nos appels! Apportez des scies électriques, vite! Il faut les sortir de là! Dépêchez-vous, plus vite! Professeur, oh, qu'on leur mette les masques respiratoires. Victoire, ils se réveillent. Où suis-je? Que m'est-il arrivé? Rassurez-vous, Tintin, vous êtes sain et sauf sur la Terre. Sain et sauf sur la Terre? Et mes compagnons, et Milou? Milou! Oh, mon vieux Milou! Je crois bien que jamais nous ne sommes revenus d'aussi loin. Tintin! Mon ami, nous avons réussi. Quelle aventure, n'est-ce pas? Oui, nous venons de vivre une épopée unique, capitaine. Toutes mes félicitations, professeur. Vous êtes le grand vainqueur de cette expédition. La Lune porte désormais la trace de nos pas. Oui, et nous y retournerons. Je vous le promets à tous, nous y retournerons très vite. Quoi? Retourner sur la Lune, moi? Mille sabords, jamais plus je ne me laisserai embarquer dans votre cercueil volant. Vous entendez jamais de toute cette histoire. Je vous dis, moi, il n'y a qu'une seule chose à retenir. On est vraiment bien... que sur notre bonne vieille terre.